les gens, bienvenue sur cet épisode spécial. Vous l'attendez tous, c'est l'épisode Bienvenue chez nous. Bon, alors j'ai hâte parce que ici il pleut des cordes. J'espère qu'il fera beau dans la ville de Kiara. On va y aller tout de suite. La ville de Kiara qui s'appelle Crossing. Donc voilà, c'est la première candidate. Il y aura quelques critères de notes. Donc il y a l'accueil, les maisons, les chambres, alors aller quelque part, l'extérieur et une activité. Une activité qu'on fera avec Kiara, on l'entendra pour qu'elle puisse expliquer les règles et que tout le monde l'entende bien. Donc on va prendre le train. Tout ça je vais l'accélérer. Voilà, ça y est. Alors, nous sommes à Crossing, la ville de Kiara. Il y a déjà Camille. Donc, elles m'attendent dans la gare. Donc, je vais y retourner. C'est long. Allez, charge. Bon, je vais essayer d'écrire en même temps parce que je pense que... Oh là, il fait chaud. Ouh, quelle chaleur. Vas-y, rentre. Ah, bah du coup, j'ai pas vu son mot. Elle a écrit quoi, Camille? Coucou Camille, au fait, il y a Camille, voilà. Camille Yoga. Ah tiens, il y a une personne en plus. Bon, je crois que c'était pas prévu. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de partir. On va attendre. Florian. Au revoir, Florian! Je crois qu'elle avait pas prévu et qu'il a dû s'incruster comme ça. Ah, c'est ouvert, j'y vais. Eh ben non. On fait un jeu, Florian. Alors c'est quoi déjà? C'est l'accueil. L'accueil. Chambre, maison. Extérieur, activité. Extérieur, activité. Voilà. Pour les notes. Je ferai sur la même... Alors, je vais essayer d'écrire. Ça va être galère. Qu'est-ce que tu vas essayer d'écrire? Pour lui dire bonjour. Ah oui. Hop. Tac. Je galère en effet. Tu m'étonnes. Putain, on a quand même les deux mêmes robes. Ouais, ah, ça fait les inspectrices comme ça. Attends, j'ai ma chapeline. Attends, j'ai ma chapeline. Yeah. Allez. Parfait. Cool. Bon, déjà, bienvenue. Merci. Ah, je galère! En fait, ma DS est coincée un peu partout entre des livres et tout et tout. Par ici, je vous en prie. Allez, vous suivez. on fait la visite. Hein. C'est elle, l'hôte. C'est elle qui nous invite. Alors. Oh, j'adore. Ouh, des petits cadeaux! C'est vrai? C'est pour nous? Je sais pas, on attend qu'elle nous le dise. Alors. Ouais. Un cadeau, allez. Merci. Qu'est-ce que ça va être? Ah, faut que je ferme ça. Ah, ça va faire du bien ça. Juste avant... Un café, ouais. Alors, je vais essayer d'écrire. Du coup, on voit mes doigts sur le film, c'est super. C'est grave. Hop. Semer, j'ai pas compris. Je sais pas. Bon, alors, elle nous entend pas, il faut savoir. Hein. Elle ne sait pas ce qu'on dit sur sa ville. Donc, je vous demanderai... de me suivre, juste de pas trop regarder, là. Je prépare déjà ma réponse. Moi aussi. D'accord, pas de problème. Dans... Ah, je galère à écrire un truc de malade. Je sais, avec les deux doigts. Ah oui, c'est parce que ça a son extérieur. Ouais. Donc, les chambres sont dans...
Allez, un petit coup. Ouh, ça réchauffe. Ta maison séparée. Ok. Qui veut voir la sienne? Moi, moi, je veux voir. À moi, à moi. J'ai dit prends ça avant. À tout à l'heure, Camille. Attends. Ah, suivez-moi, mesdames, elle a dit. Ou madame. Madame. Bon, bah, mettons-le. Alors, le café est ici. Je crois que je l'avais, sauf que il n'y a pas... Ou les deux, comme vous voulez. Bah, maintenant, je vous ai perdu. On est sur un pont, je sais pas lequel. Oh, ces fleurs hybrides sont... Elle en a plein partout. C'est trop joli. Où je suis? Je suis perdue. Suivez le ballon. Le beau ballon. On est dans une maison japonaise, je sais pas où elle est. Parce que je n'ai pas la carte, du coup. Bah, maintenant, j'ai le truc pour écrire. Ah, un pont. Ça y est, j'ai vu le pont. Il est là. Alors, c'est en bas. Ma chambre est en bas. Ouais, si, j'ai le japonais. Mais je vais attendre devant. Ouah, j'ai Carla. Wouhou. Il faut pas que tu me dises, hein. Mais je ne donne aucune note, je ne dis rien, je dis juste que j'ai Carla pour vous. Je suis dehors. Mère. Si. Je suis perdue. Ma. Je suis perdue. Da. A. Me. C'est dur à écrire. Ouh. Je suis perdue. C'est pas encore propre. Je suis perdue. Secours. J'ai peur. Je. Crotte, j'arrive pas à écrire avec ça. J'arrive. D'accord. J'arrive, madame Camille. Je. Pose. Mais... Ah oh bah je vais discuter avec quelqu'un alors. Va. Elle arrive, elle a dit. Ouais. Bonjour. Ah oh, Mirza. Je l'avais avant. Dans mon ancien jeu. Alors. Ouais. J'ai l'horloge. Un bureau, je vais pouvoir travailler. Vous êtes là. Ça y est, tu t'en sors, Camille? Oui, j'ai... Sauvé. Je te suis. Ah, donc ça, elle est en deux fois. Oh, elle doit se ruiner. Ah non, c'est pas le même truc. Hop, d'accord. Si je veux un petit café, je sais pas trop ce que c'est, ça. On va dire que c'est ça. Hop. Ouais, c'est confortable. Ça va, ça va. Ah, elle va me perdre. Elle veut me perdre. Ah, ça y est, je suis dans la... Alors, vais-je bien dormir cette nuit? Ouh. Alors, la collection de Carla. Ouais, donc vous l'avez en ce moment. Ça coûte super cher, parce que je la fais aussi pour la maison de Milo. Et rien qu'hier, j'ai dépensé 1 125 000 clochettes juste pour 5 meubles. Donc c'est génial. Donc voilà, c'est super joli, mais c'est très cher. Je vais peut-être remonter, je sais pas. Vous êtes où, Camille? Dans une petite maison. Tu es dans ma chambre. Elle est bien ta chambre? Ça va, elle est bien. C'est quelle collection? Bah, je dis pas. T'es méchante. Voilà votre chambre. Ouais. Bon, bah, je visite la maison. Petite musique envoûtante. Tiens, je jouais au loto. Non, à la roue. Attention. En fait, ça s'arrête pas. Ouh, 2,5. Alors, je vais lui demander où est-ce qu'on se rejoint. Oh, la chambre est bien. On va pouvoir mettre... notre première note. C'est sur 10, hein, c'est ça. Ouais.
Mince, j'ai pas lu sa réponse. Mio ici. Mio ici? Ouais, mais où ici? Dans la maison de Luca. Alors, la maison de Luca. J'ai le droit. Je vais lui demander. J'ai le droit de visiter. Alors, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Elle a marqué quoi là? J'ai pas pu lire. Prenez place. Prenez place. Alors, je vais sortir. Et avec la carte, je vais essayer de me guider. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. J'ai les références. Ouais. Hop. Luca, c'est ici. Alors, je vais essayer de pas trop courir dans les fleurs. Et en même temps de pas... Ah ! Elle a le truc de police que je veux ! C'est là. Alors, j'ai pas du tout suivi ce qu'elle m'a dit. Ah, moi en plus, je suis en train d'essayer de me repérer. Ah, voilà. Mio, tu nous rejoins, tu me dis. Oui. Oh mon dieu. Ah. Hop. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dans la maison? Oui. Ouh là là. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis une fervente défenseuse des animaux. Moi, c'est plus j'aime pas. Ah, donc toi, tu visites toute seule de ton côté comme une solitaire? Ah oui. Sauf en bas. Ou sauf en haut, elle va te dire. Ma chambre est en haut. Bon. Voilà, c'est ça. Ok. Alors. Et comment ça se passe puisqu'on a deux maisons séparées? Bah, il n'y a que celle-là, je pense, qu'on visite. D'accord. T'avais pas le droit de visiter celle. Pardon, Zen? Zen? Celle où t'étais. Ah non, j'ai pas visité. Alors, le menu, qu'est-ce qu'on va manger, Camille? Des frites! Du foie gras, des frites et du pâté de canard. Wouh! Oups! Oh mon dieu! J'imagine pas le. Le truc ensemble. Oh, et un peu de caviar aussi. Par contre. Et du Coca-Cola. J'adore. Room 4. J'aime bien cette collection. C'est bien fait, je trouve, comme ça. J'adore ces. Oh, pardon. Plateau repas et tout, je trouve ça sympa. Ouais, j'aime bien. Ouais, tu aimes. Un commentaire tant que tu n'en dévoiles pas trop, Camille. Sur la maison. Qu'as-tu à dire? Le papier peint, des fois, va pas trop avec... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais au niveau de l'accueil, quoi. Dans quelle pièce? La grande pièce, là. Là où on est. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Mais dans la, ouais, dans la chambre 2... Ouais, en fait, elle a mis en rouge... Moi j'avais mis en bleu parce que je trouve que ça faisait pas rouge rouge. Ouais, ça fait un peu rose. Ouais, rouge rose. Vous avez tout visité, madame? Oui. Mais c'est bien parce qu'elle a mis des tableaux avec chambre 1, chambre 2 et tout. Elle a bien joué le jeu et. Ouais. C'est bien. Bravo, Chiara. Tu as joué le jeu à fond. Les chambres en plus sont pas trop petites donc on se sent pas tassé. Ouais. Pour la pièce principale, c'est pas le mur qui me choque. C'est surtout, je trouve que c'est le sol qui va moins bien. Oh, c'est trop bien celle-là! La chambre 1. Celle... Je peux pas monter là-haut. Oups. Celle-là, t'as vu? Oui. On peut même... Ah non, on peut pas. Je peux pas rentrer aux toilettes. Je veux faire pipi. Ouais, ça c'est un petit moins. Puisqu'on ne peut pas... Avec enfant, d'accord. Ouais. Chambre familiale, c'est pas mal. Je vais lui dire que c'est une... Oups. Bonne... idée. On va la suivre. Bon, alors, que devons-nous faire maintenant? Extérieur.
Je tiens à m'excuser auprès de... Je lui dis son prénom ou pas? Si tu veux. Bon, auprès de Noël, si je veux pas dire les prénoms, je sais pas si vous tenez l'anonymat ou pas. Mais... Bah, il y a marqué une façon sur la vidéo son prénom. Ah bon? Bah, quand elle parle. Ah bah oui. Je suis trop con. Enfin bon, voilà. En fait, c'est vidéo gag, on vous a pas dit. Je t'emmerde. Ok. Vous êtes tout, vous êtes dehors? Ouais. Ok, j'arrive. Ce que je veux dire, c'est que je suis très lente pour écrire les commentaires sur ma DS, donc ah bah moi si aussi, je hein. parle pas beaucoup, c'est pas que je... Hein, mais voilà. Et toi t'arrêtes, sinon je te vole ton cookie. C'est ça, ouais. Activité, oui. Alors. Crotte. Le jardin. J'écris n'importe quoi. Ça va être folklore cette vidéo. Moi j'adore. Hop. Nous allons laisser la jumelle. Nous allons laisser une note de jumelle. J'adore ton Jeffried. En fait, il parle allemand. Ouais. Camille, dépêche-toi, tu vas nous perdre. Ouais, vous êtes où? On est en bas. Voilà. Ah. Alors, il y a la fontaine ici. Qui est sympa. Un petit café, hop. Parc jardin. D'accord. Le banc japonais. J'hésite à le mettre. Tu peux t'asseoir ou pas? Non. Je prends trop de place. Ouais, voilà. Au cul, en compagnie. Alors, elle a effacé un motif. Là, il y a une sculpture œuvre d'art. Ouais. Je ne sais pas laquelle c'est le cube, je crois. Ouais, c'est statue cubique, je crois. J'en ai une aussi. Moi, j'ai pas eu. Ah, c'est... Non, je sais pas. Voilà. Alors. Acti... Oula. Ti... Vi... Té. Oh, j'adore ça. Ma... Truc japonais, c'est trop beau. Non. Alors, je vais l'appeler du coup. Nous allons appeler Kiara. Wouh. Ça sonne. Allô? Salut Kiara. T'es en direct, attention. Bonjour YouTube. Alors voilà, nous sommes à présent trois et Kiara va nous présenter sa petite activité. Oui. Alors, en fait, j'ai organisé une sorte de chasse au trésor, si vous voulez. D'accord. Du coup, Mio, en fait, j'ai caché quatre cadeaux dans la partie nord de la ville. Donc, ok. Je vais mettre ma carte. Par rapport au à la rivière, et d'accord. Qui a mis quatre trésors, mais dont la partie sud, et votre but c'est de les trouver bien sûr. Ok, ça marche. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a besoin d'accessoires? J'espère que vous avez vos peines, parce que j'ai pas pensé, enfin j'en ai une, mais... Ouais, c'est bon, on est paré. Ok, donc, alors... Voilà, vous pouvez y aller. Camille, tu descends. Ok. Bou, descends. Il y a des pièges, hein. Ah, c'est pas gentil ça. Genre celui-là, je suis sûre que c'est un piège. Il y a des trésors, mais c'est peut-être pas ça, quoi. D'accord, on va essayer par ça. Les trésors, c'est un cadeau, voilà, comme ça, vous savez. Allez, tac, un piège. Ah, moi j'ai un cadeau. Allez. Bon, ça va, tu te la pètes, hein. Mais oui, mais... Je suis la meilleure. Et prenez le cadeau de l'autre, hein, bah sinon... Je vais aller dans le sud. Oh. Alors. Donc, je pense pas que ça soit ça. Là, il y en a un. Ouais, un cadeau! Fais attention aux fleurs en même temps. Ah oui, faut pas courir. N'empêche, t'as vraiment... Bon, mes loulous, il y a eu une petite coupure. L'appareil de Camille est capricieux. Donc, on poursuit la recherche des cadeaux que Kiara nous a plantés quelque part. Mais où? En plus, il y a plein de fleurs. On va se perdre. C'est la aïe. Moi je me prends des arbres, c'est génial. Ah, voilà. T'as même un abribus magnifique, hein. Comment? Vous attendez pas des trucs magnifiques, hein. T'inquiète pas.
C'est l'intention qui compte. Voilà, exactement. Alors. Bon, sinon, j'ai trouvé un deuxième cadeau. Eh, mais t'avances vite, toi. Je t'ai dit. Ouais, mais. J'ai essayé de faire difficile, mais pas trop difficile non plus. Ouais, ça y est, j'en ai un autre. Wouhou, c'est un cadeau. Vamos à la playa. Ah, non, ça va être un piège. Ils sont trop près l'un de l'autre. Ah non, c'est un fossile. Bah, je te repose ton fossile, hein. Ouais, non, mais vous pouvez le garder si vous voulez, y'a pas de problème. Moi, non, quand même pas. Alors, il est à côté de la dent. La sculpture qui ressemble à une dent, là. Ah oui. Ok. Alors. Moi, j'en ai trouvé un aussi, donc je te le mettrai à côté de la maison de Mio. Enfin, okay. Là où il y a la chambre. Ah, y'a plein d'hybrides, c'est trop joli. T'as une technique pour avoir autant d'hybrides? Parce que moi, ça pousse pas. Oui. Mais en fait, quand on a deux hybrides déjà faites, les mêmes, vous les arrosez et ça se reproduit en quelque sorte. Hein. Je sais pas si vous savez. Si. Ouais, mais enfin moi j'ai mis le truc charme. Et faut quand même faut quand même arroser du coup. Je sais pas, t'arroses tous les jours. Mais si tu veux, je pourrais te passer des roses mauves parce que j'en ai trop. Ah bah j'en veux bien. C'est gentil. J'ai une question. Est-ce que tu as mis des cadeaux sur la plage? Non. Non, d'accord. Et c'est que enterré du coup? Quoi? C'est que enterré? Ouais. Il y en a combien déjà? 4. 4. Oh là là! J'en suis à 2. Il n'y en a pas énormément, mais bon. Moi aussi. Bah si, c'est. C'est beaucoup parce que. Ouais, moi non plus, je trouve pas. Bon, bah, j'en ai mis en fait un très difficile un peu partout pour que quand même ça va trop rapide. Trop hein. Simple, ouais. Petite cachetière. Avec le rire sadique jusqu'au bout. Hein. Ouais. Il est où? Ah, je crois que j'en ai un là. Ouais, 3. T'en es où, Camille? T'en es où? 2. Ah ouais, il était dur celui-là. Il était... Ah, t'es derrière là, attends. Ouais, je te vois, c'était là. Comment tu as fait pour avoir tes roses bleues? C'est deux jaunes. Ah non, non, rien. Il faut faire deux roses rouges hybrides, je pense. Elles ressemblent à quoi, les rouges hybrides? Bah en fait, elles sont pareilles que les rouges normales, sauf qu'elles sont hybrides. Du coup, on sait pas trop les différencier, en fait. Ah, c'est chiant, ça. Ouais, faut juste que tu saches. Mais moi, j'en avais une bleue, mais pour les revoir, enfin pour les reproduire, il en fallait une deuxième. Et du coup, une amie m'a passé, donc ah ouais. J'avais la flamme. Tu m'étonnes. Et quand tu prends dans ta poche une rose rouge hybride, il y a marqué que c'est hybride ou même pas? Non, non. Oh, mais c'est trop nul, c'est trop le piège, quoi. Ouais, je sais. C'est de l'arnaque, Animal Crossing. Ouais, j'avoue, c'est super bien. C'est peut-être un piège, ouais, moi j'en ai eu un. J'en ai un. T'as toujours pas trouvé, Camille? Si, j'ai eu mon troisième, ça y est. Manque le quatrième. Ouais, moi aussi. Non, je vois. Alors par contre, moi j'ai envie de dire, il y a 3 cadeaux posés quelque part, près de l'arbre. Ils en font partie ou pas? Non, non, c'est les cadeaux lyriques. D'accord. Okay. Ça aurait été un petit peu simple, je pense. Non, mais tu sais, des fois, ça peut justement... on se dit... Ouais. Ah, ils sont faciles, ceux-là, on va pas les prendre. Peut-être que c'était l'arnaque aussi, hein. Des cadeaux oniriques, tu peux ramener des cadeaux de... Non, mais tu sais, comme moi, quand tu visites ma ville, tu peux t'habiller différemment et tout. Je mets des cadeaux près ah, de... Oui, d'accord. C'est ça, en fait. Ok. Mais non, tu peux pas les ramener. Tu peux pas les ramener. Oui, c'est pas là. Ah! Tu l'as eu. Je crois. J'ai gagné. J'ai gagné. Le truc, c'est que j'ai oublié où j'avais mis ces lettres. Ah. En fait, demain, on y est encore. Il est trop bien caché pour moi, en fait. C'est qu'en fait... C'est qui part, papa. Alors. On se perd avec toutes les fleurs. Ouais. Alors, je descends, je vais attendre sur la place. Ok, mais moi je cherche avec toi. Hein. Merci. Bon. Tout. Ah, je te vois, Camille.
Un campeur. Je trouve pas. T'aurais dû faire un plan avec des croix. Il y en a un là, mais je suis pas sûre que ce soit un cadeau. Il y a un truc ici, mais j'ai pas le... On l'appelle comment? Non, c'est à vous de le faire. Camille, oui. T'as de l'arrêt de bus. Ouais, j'en ai trouvé un sous l'arrêt de bus. Ouais, je sais, j'en avais mis un là. Ça m'étonnerait que ce soit aussi un cadeau parce que bon, mais bon, on sait jamais. Là, ici. J'arrive. Ouais. Où? Ah oui, au buisson. Derrière le buisson. Mais je suis pas sûre. Déplante pas le buisson, hein. Non, bah, ah oui, là, je l'avais pas vu. Non. Raté. Mauvaise pioche. Je te poserai tes fossiles sur la place. Okay. Je continue de chercher. Cherchons le dernier cadeau. Au pire, je te le recommanderai, hein, c'est pas grave. Mais bon, j'aimerais bien savoir où je l'ai mis. tu vas le retrouver dans un mois. Ah oh, tiens, le cadeau. Mais c'est un peu ça, ouais. Où ah oui, je me rappelle. Ça y est. Ah oui, c'est bon, je l'ai trouvé, je sais où il est. Ok, ah, ça y est. Erika. Tu lui dis si elle brûle ou pas, comme les enfants à Pâques. En fait, c'est tellement facile que vous pensez même pas regarder, en fait. Ah ah. Sérieusement, en fait, faut peut-être un peu tricher. Vous voyez, appuyer sur la touche en haut, là. Ah ouais, moi, je le faisais, hein. Moi, perso, j'ai triché. Super simple en fait. Ah. Allez Camille. Allez Camille. Allez. Ah. Ah ouais, quand... Ah oui. Ah oui, quand même, ouais. C'est tordu. It's a final countdown. Tiens. Non, vous pouvez suivre maintenant, hein, si vous voulez. Tiens. Alors. Je te pose tes fossiles là. Ici? Ah non, c'est Camille, oui, ben... Moi, je suis la blonde. Ouais. Moi, je suis la brune. Avec les lunettes... Les lunettes, quoi. Voilà. Alors... Ouh, c'est mon animal préféré, en plus. Oh, c'est beau. Des babies jaunes. Oh, j'ai jamais vu ça. C'est trop cool. Ah, moi, je les ai. Ah, celle-là, je sais pas. La comédie, c'est pas bien. Oh, si, bah, attends. Et les babies jaunes, j'en ai jamais vu. C'est vrai? Ouais, jamais. Ouais, voilà. Ah, ça va. Si, ça... Moi, je trouve que ça fait bien ensemble, tout merci. Ça. Merci. Hein. Ôter le couvre-chef. Je suis à carnaval. Wouh! Enlève ton chapeau. Oh non, il y a le mien. Il fait beau. Un chapeau contre les coups de soleil. Eh ben, attends. Je vais reprendre mon stylet pour faire les petits bonhommes, là. C'est où? En fait, c'est dans être une petite fille, hein, comme ça. Voilà. Une petite fille, toute mignonne. Et elle, merci. Une sorte de... Aladdin version fille. Aladdin. Ouais. Merci. Ou Jasmine plus... De rien. Ah, eh ben, écoute, on te remercie pour cette visite, avec pour cette activité. Vous, hein. on va aller à la gare. Ouais. On va se retrouver et puis on va te donner tes notes que tu verras dans la vidéo. Donc, stress. t'inquiète pas. On n'est pas méchante, on n'est pas dure du tout. Oh si, très. Oh, très. Camille est très méchante et très dure. Ah, oh, je le savais. ça se sent, hein. Ouais. Donc, voilà. Bon, on va à la gare. Tu nous accompagnes? On est perdu. Il est mon petit ballon. Là, je suis là. J'arrive. Hop. Ce sera votre guide. Ouais. Bon Mio, tu bouges tes fesses là? Oui. Je suis bien devant. Mais là, ah c'est chiant. Moi j'ai Tigri, mais j'ai juste envie de la virer quoi. En plus c'est le crocodile bleu là, il est trop moche. Ah oui, on l'a croisé tout à l'heure. Ouais. Voilà. Oh et comme par magie les petits carrés ont disparu. C'est bizarre dis donc. Oh, je comprends pas. Alors moi je te fais salut de la main. Hop. Si j'y arrive, salut. Alors moi, comme je l'ai pas, je te ferai un grand sourire. Voilà. Merci.
Et donc, on va se retrouver dans ma ville avec Camille pour pouvoir continuer. Et donc, moi, du coup, j'aurai mes points en regardant la vidéo, quoi. Ouais, à la fin de la vidéo, il y aura les notes et pourquoi on te met ces notes-là. Ok. Donc là, on va faire avec la deuxième personne. Alors, tiens, qu'est-ce qu'on s'en va? On va peut-être se quitter. Arrêter la vidéo. Ouais. Je vais la mettre sur mon ordinateur pour laisser de la place pour la prochaine. Pour ouais, ouais, ça, on va faire ça. Ouais, du coup, ouais, Chiara, on va se quitter là. Okay. La vidéo, je pense qu'elle y sera demain. Le temps de faire les montages et tout. De toute façon, je te tiendrai au courant. Ok, ok, que des ok. Donc voilà, bah, je te fais de gros bisous, Chiara. Ouais, bisous, et puis... Et nous nous retrouvons sous la pluie et l'orage. Ouh, il fait froid, il fait pas beau à Fantasia. Il faisait bien meilleur à Crossing. Camille est avec moi pour qu'on puisse donner les notes. On va commencer par l'accueil. Alors, personnellement, j'ai trouvé l'accueil parfait. Voilà, on a eu des petits cadeaux, on a eu une bonne visite et tout. Du coup, j'ai mis la note de 10. Voilà, c'est la meilleure note. Bravo Chiara, tu es une excellente hôte. Camille, tu as mis quelle note? Bah moi, à part le fait que je me sois complètement paumée parmi ces fleurs, moi j'ai trouvé très sympa, donc je t'ai mis 10 aussi. Parce que voilà, je trouve que t'es une très bonne hôte, et voilà. Donc t'as une moyenne de 10. Voilà, une excellente, excellente moyenne de 10. Ouais, on peut même applaudir. Voilà, alors, la chambre. Donc la mienne, donc Mio, j'ai mis la note de 8 parce que je trouve la collection, enfin j'adore la collection Carla. Après, ouais, il n'y avait pas tout encore, c'est pour ça que je mets 8. J'enlève 2 points pour une collection incomplète. Mais je t'invite à poursuivre. Camille? Bah moi j'ai mis 7 parce que je suis un peu déçue que t'aies pas la collection rococo complète, ou au moins le mur et le sol, parce que je trouvais que ça faisait un peu bizarre, quoi, d'avoir des meubles super beaux, super bien, et que finalement en fait le sol ça cassait vraiment le truc. Et par contre, bah, moi j'avais pensé peut-être plus à une baignoire changée en marbre plutôt qu'une simple truc de douche. Je trouvais que ça cassait un peu avec le côté, bah là c'était vraiment chic, alors que là ça faisait un peu colo, quoi. Donc voilà, mais sinon, je te souhaite de continuer à chercher les meubles rococo, parce que c'est vrai que c'est une très jolie série. Ouais, bah du coup ça te fait une moyenne de 7,5, donc ça va quand même. Ah oui, oui, ça te fait... C'est pas mal. Pour la maison, du coup, c'est la maison que Camille avait, donc chez Luca, il me semble. Moi j'ai mis la note de 7. Un peu comme Camille pour la chambre, il y a par exemple dans la pièce principale, le sol je trouvais qu'il n'allait pas très bien avec le mur. Sinon j'ai adoré le fait que tu mettes voilà, chambre 1 en anglais même, donc room 1, enfin room 1 plutôt. Enfin voilà, dans chaque chambre il y avait un numéro, c'était bien construit, il y avait un thème et tout. Donc voilà, je pense que 7 c'est quand même une bonne note. Ouais, moi je t'ai mis 7 aussi parce que, alors par contre, voilà, hein, tu verras que nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde. Hein. Moi, j'ai bien aimé le tapis, c'est le mur que j'ai trouvé qui était complètement voilà, pas avec. Mais moi j'ai adoré le côté, les petites tables avec chacune une chaise et puis un plateau repas. Je trouve que ça fait très. Enfin voilà, c'est le petit restaurant, ça. C'est quelque chose qui est indispensable quand même dans une maison d'hôte, donc j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé aussi bah, les chambres bien, le fait de mettre que c'est chambre 1, chambre 2, chambre 3. Ça, j'ai trouvé bien aussi. Donc voilà, je mets 7. Donc ça te fait une moyenne de bah, 7,5 aussi. Non, 7. 7 et 7. Mais voilà. 7 sur 10. Tu verras que je suis très mauvaise en mathématiques. L'extérieur. Alors, j'ai mis une note de 9. Le petit point, c'est pour bah, le sol, en fait, je le trouve super joli, mais je l'avais pris. Le problème avec ce sol, c'est qu'il n'y a pas le coin. Enfin, des fois, il y a un problème, il n'y a pas de coin, quoi. Et du coup, des fois, ça fait un peu bizarre, je trouve. Et c'est pour ça que je l'ai enlevé et que j'ai tout recommencé ma ville. Mais voilà, donc moi, je t'ai mis 9. Camille? Moi, j'étais plus généreuse. Voilà.
J'ai adoré ton extérieur. Moi, je suis trop tombée amoureuse de tes fleurs. Je trouve ça trop trop bien. Donc, je t'ai mis 10. Voilà. Donc, ça te fait une moyenne de 9,5 sur 10. Voilà. Par contre, moi, j'ai été plus généreuse pour l'activité. J'ai adoré ton activité. J'ai trouvé ça super original. Voilà, de nous mettre comme ça au défi, de trouver des cadeaux. Et voilà, on a une récompense à la fin. Donc, moi, je t'ai mis 10 parce que je me suis vraiment éclatée. Merci, Chiara. Moi, j'ai mis 9. Parce que le dernier cadeau était quand même le dernier cadeau était quand même un peu trop dur à trouver, surtout quand moi je pensais pas qu'il aurait fallu avoir le réflexe de regarder tout le temps avec la caméra comme ça. Donc bon, mais j'ai adoré. Sinon, je trouvais très bien le côté chasse au trésor, c'est vraiment une bonne activité. Voilà, donc moi je t'ai mis 9 et donc ça te fait une moyenne de 9,5. On n'a pas fait le total. Bon, alors, Camille est en train de faire le total, donc je vais vous occuper en attendant, juste pour vous dire que, voilà, on a fait la première ville, donc c'est Crossing de Chiara. Je vous mettrai le code onirique dans la description. Voilà, il faut lire la description, les gens, lisez, lisez. Et donc voilà, maintenant on va voir la deuxième ville. Donc la vidéo sera longue en tout, parce que ça va être long. La deuxième ville dont on vous présentera le personnage et le nom de la ville quand on y sera. Donc Chiara, ça te fait une moyenne de 8,7 sur 10, donc c'est une très bonne note et je t'encourage à poursuivre et voilà, on te fait plein de gros bisous. Voilà, gros bisous. À tout à l'heure pour la deuxième aventure. Ciao ciao. Alors, cette fois, c'est dans la ville de Momo, la ville qui s'appelle Sweetie, que nous allons aller. Hop, on prend le train. Camille est déjà chez elle. Ah, t'es là. Ah merde, je me suis trompée. Oh, quoi? Pardon, t'es là. Quoi? C'est rien. Je me suis complètement... Tu croyais que c'était moi? Mais oui. C'était toi. Oh non, je dis ça, elle ressemble... Mais merde. Mais oui. Pourquoi elle a la même tête que moi? Ben un peu, ouais. Et puis surtout, c'est qu'elle a, elle avait, à un moment donné, toi tu portais la perruque nœud. Oui. Et elle a la perruque nœud. Alors je me disais merde. Bon, tu t'es changé. Le gros quiproquo. Elle dit quoi? Non, ben toi. Bah moi rien. Parce que tu lui as dit un truc en plus, non? Bah je lui ai dit t'es où? Tout est paré pour le départ. Hop. Oh, il est mignon son petit drapeau. Oui. Un petit lapin. Avec un petit arc-en-ciel. Me voilà. Ah, Sweetie. Ah oui, c'est toi, tu t'es pas changée. Non, non. Je croyais que tu t'étais changée. Non, j'ai gardé ma tenue d'inspectrice. Bienvenue chez nous. Voilà. En fait, on vous a pas dit, mais on est employé par Lionel. Merci. Alors. Ah, du coup, on va ressortir le stylet. Je prends lequel? Je vous offre de l'argent. Ah, carrément. Ça a l'air. Ah, je suis en verre. Un en sac. Fait. En fait, c'est notre travail, on est payé pour faire... C'est le même ou quoi? Ça a l'air. Bah, j'espère. Ah, ça fera des arbres. Oh la vache! Mais elle est folle cette fille! Elle a donné combien? Ah, regarde! Ouf! En fait, elle veut nous acheter. Tout ça! Merci! Ouais. Bon, bah, je vais pouvoir m'acheter un meuble chez Carla. Alors, soyez, elle a marqué. Adoré. Non, ça c'est moi, Camille. Soyez. J'aime bien sa robe. Elle est bienvenue. Ouais. Ah, j'ai plus de batterie. Attends. Ça, c'est trop le fail dans la vidéo. Les amis, je n'ai plus de batterie. Wouhou! Et
là, tu peux dire heureusement que Camille a des prises un peu partout chez elle. C'est clair. Ils ne sont pas trop loin. Mince, du coup, j'ai pas lu ce qu'elle a marqué. Alors. Hop, voilà. Ouh, parfait. On a échappé belle. Ouh, elle est où? Elle est où? Momo. T'es... Où t'es toi? Okay. Moi je suis là. On est perdu. Au secours. J'arrose. J'arrive. J'arrose. Okay. J'arrose. Gare. Gare. Bah. Bah non. On a perdu notre... notre hôte. Ouais. Ah voilà. Alors. On... te suis au... Oh, j'écris vraiment à deux à l'heure là-dessus. Chambre. Smiley qui sourit. Wouhou. Voilà. Ah, trop synchro. Ça me stresse l'éolienne là. Le bruit. C'est sympa. On est toutes dans les mêmes tons. Ouais. Je vois pas ses chaussures. Moi non plus. Ça a l'air joli. Allez, avance. Elle est où? Elle est là. Bah oui, t'es à deux à l'heure. Bah je la colle, je peux pas avancer plus vite. Ah bah c'est moi qui te colle dans mon jeu, c'est moi qui te colle. Ah, à la queue, la mairie. Non, tu verras après. Elle est trop belle. La maison. Ouais, d'accord. Alors ça, c'est pour toutes les deux? Apparemment. Okay. La poubelle. Ouais. Camille. Oui. Là, j'attends. Ah, j'aime bien ça. Le chat fétiche ? Ouais. Oui, il est sympa. Ouais. Ah, mais comment elle a eu ça, la poste ? C'est quand tu mets beaucoup de sous, je crois. C'est trop génial. T'as marqué quoi? Merci. La chambre est pas finie par contre. Pas grave. Et taratalam. Voilà, c'est une pierre sur l'autre. Je te suis. Ah, je suis en haut cette fois. Je vais dominer les profondeurs de la ville. Ah, elle m'a poussée. Elle m'a repoussée en bas. Vilaine. Voilà. Alors, c'est... cette collection-là. Je ne dirai pas parce que t'as pas voulu me dire tout à l'heure. Moi, je te dis à la fin. On se retrouve en bas pour vie. Je vous laisse inspecter. Bah voilà. Alors, bon déjà j'ai la télé dans ma chambre, c'est un plus, avec, je sais pas c'est quoi, ok, je sais pas c'est quoi, un petit bonhomme qui court. Oh, le truc Elisabeth et machin là. Ouais, t'as vu? C'est trop sympa. Alors, le lit, bah, j'ai le même chez moi, donc ouais, forcément il est confortable. Mmh. Elle a pas encore... le sol et... et la tapisserie, mais la tapisserie, ça va, ça le fait. Moderne. Et une vitrine moderne. Ah, il me la faut, la vitrine moderne. Bah voilà, bah elle là. I don't have. Trop la chance. Ding. Ding.
Je vous laisse regarder partout. T'as vu sa commode patchwork? Ok. Où ça? T'es où? À droite. À droite? Ta chambre, c'est laquelle? C'est à gauche, donc je vais pas à gauche. Voilà. On se fait du rentre dedans. Voilà, j'ai vu partout. Ça aussi, je veux patchwork. Ouais, c'est ce que je veux. D'accord. Bon, bah, du coup, ouais, y a rien là. Elle est en train de construire. C'est en travaux, un peu comme chez moi. C'est une télé, ça? Ouais. Elle est minuscule. C'est trop mignon. C'est les rayures. Ouais, j'adore le truc d'Elisabeth et compagnie. Oh, tiens, je pensais à toi hier parce que je suis allée sur l'île et je me suis fait quoi 400 000 clochettes. Ouais. Et attends, d'accord. C'est un hôtel. Et les parties communes. Ok. Et comment? Et tu sais, bah, à partir de 21h, un truc comme ça, c'est plus... Alors, une petite coupure parce que problème avec l'appareil de Camille. Alors, en bas, je pense que c'est une cuisine. Ah, je suis pas allée en bas. Ah, attends-moi. Je fais des toasts. Yam. Sorte de restaurant, ouais. Plutôt une sorte de, tu sais, de buffet. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des plateaux. Champignons. Oh, j'adore ça. Ouais, ça fait savant fou pour ton, ouais, ton machin. Les chiens qui contrôlent les mots. Il faudrait ça pour... ton machin. D'accord. Ouais, bouge. Laboratoire d'hybride. Oui. Oui. Ouais. Il y a des petits problèmes. Voilà. Camille, va falloir que tu bouges de devant. Ah bah il pleut. Ah, parapluie. Voilà, bah il pleut. Hein. Bon, ça change pas de Fantasia, c'est pareil. Enfin non, même à Fantasia c'est pire. Mais c'est pas grave, ça nous fera une petite balade sous la pluie. On te suit. On te suit. Ouais, tu parles sur un bout de ouais. Machin en même temps. Mon jardin. Jardin. Alors, il y a de l'herbe. Des petites fleurs dans l'herbe. Une là, piscine. La fleur des puissons. Plouf. Ouh, c'est pas mal ça, l'idée de la piscine. Oh, je la vois plus. Non. Hop. D'accord, donc en fait, elle s'est délimitée tout un jardin. C'est sympa ouais. Ça. Une bonne idée, je trouve. Je l'ai fait, moi. Il est plus petit. Oui. Ouais, il y a des gens qui voient grand, hein, c'est tout. Quand on a les moyens, ouais. On peut se permettre d'avoir un grand jardin. Ouais, tu m'étonnes qu'elle a froid. Je vais trembler aussi. Ouais. Couvre-toi. Couvre-toi. Bon là, me choquer. Ok, moi, l'extérieur. Moi, j'aime bien son parterre de briques. Ouais, c'est joli. C'est des hiboux, non? Je sais pas. Moi, j'ai envie des dents de vampire. Je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Ah, bah, je sais pas, on dirait des yeux de hibou, je trouve. Alors, du coup. Activité. On va faire comme avec Kiara. On va l'appeler. Comme ça, elle va pouvoir nous expliquer les règles. Alors. Donc là, c'est elle qui appelle. Touloum, 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 touloum. Répondre. Répondre, répondre. En espérant que ça marche.
Ça charge. Attention. Allô? Oui. Salut. Salut. Donc t'es en direct de la vidéo. D'accord. Bah coucou YouTube. Donc voilà, Momo va nous présenter son activité qu'on va ensuite faire. À toi Momo. Alors, donc l'activité, ça va être un défilé de mode, voilà. Waouh. Trop génial. Donc je vais expliquer les règles. Ouais. Donc venez, je vais vous montrer. On te suit. Oh. Moi d'abord, la plus jeune d'abord. Vieille. Non mais oh. Bah si t'es voilà. Belle. D'accord. Donc vous avez plein d'habits ici. On doit choisir. Vous prenez ce que vous voulez. Ah. Il faut qu'il y ait trop, au moins, enfin faut que vous créez deux tenues et après vous allez défiler. D'accord. Combien de tenues? Une. Deux. Deux, d'accord. Alors. Je voulais choisir. Il y a plein de choix. Ouh. Alors. Ta 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 ta. Je prends ça. Et ça, après, c'est quoi? Vous me direz quand vous avez fini. Ça va être marrant, ça. Ouais. Ah, c'est trop marrant. Je sais pas que c'est. Hein. Toum, toum, toum. On va essayer ça avec. C'est quoi ici? Ça, je l'ai déjà. Je sais pas ce que c'est. On choisit, hein? Oh oui, allez-y. Moi, je vais être une princesse. Faut que vous soyez les plus belles. Bah oui, attends. Ça y est, Camille? Ben, tant que je vois pas en fait ce que j'ai pris. Qu'avons-nous pris? Ouais, je pense que c'est bon. Ah bah, j'ai pile la place. Non, mais... Bah, je crois aussi. Non, bah, du coup, ça. J'aurais plus un. T'as pris quoi, toi? Voilà, on est prête. Ouais. Voilà, donc vous essayez votre première tenue maintenant. Vous composez votre première tenue. Alors. Après, vous vous mettez à la queue leu-leu. À la queue leu-leu. Je vais d'abord mettre. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Ouh. Alors, du coup. Ça. J'enlève. C'est à moi. Je sais pas lesquelles ira le mieux. Est-ce qu'on peut garder quelque chose qui est à nous, comme moi, mes lunettes? Oui, oui, vous pouvez, bien sûr. Ok. Ah, je vais mettre ça alors. Ça, c'est quoi? Voilà, moi je suis prête. D'accord, bah vous vous mettez à la queue. Derrière les buissons là. Ah oui, bien. D'accord. Et vous défilerez chacun votre tour. On attend que. Ouais. C'est bon. Eh ben allez, Camille, vas-y en premier. Allez, go. Je mettrai une petite musique. Go, go, go.
On a toutes les deux gagné égalité. Montre-toi comment t'es, mets-toi de face. Va pas. Ouh, j'adore le chapeau. Le chapeau est classe. Hein. On dirait le mien, mais... Enfin, pas le mien que j'ai là, mais le mien que j'ai en vrai. Oui. Vous allez aller dans la maison et je vous dis que je vous ai mis les lots dehors, voilà. D'accord. Ok, d'accord. Une question, les vêtements, on te les repose par terre? Comme vous voulez, vous pouvez les garder. Comme vous voulez. Bah, ça fait déjà trop de cadeaux. Hein. Ouais. Mais tout ce que tu nous as donné déjà. Attends, je vais te reposer. Non, en voilà, tout cas, ouais. Dans la maison, vous pouvez visiter la ville en attendant. C'est comme vous voulez. Ouais, on va faire un petit tour. Ouais. Allez, viens faire un petit tour à la maison. Alors, la carte. Et oh, tu m'attends. Hein. Ah, le cadeau. Je vous laisse. Hein. Ouais. Je vais chercher pour vous la carte. D'accord. Dépêche-toi, Camille, faut attends, pas qu'on voit. Place, faut pas qu'on voit le cadeau. Oui, bah deux secondes, j'ai pas de place. Ça, c'est pour les rêves oniriques. Allô, t'es où? Ah, à ton avis, c'est qui est passé? Roulard ou Astrid? Quel jour on est? On est mercredi, je dirais Roulard. Je sais pas si. J'ai peur de marcher dessus, si ça se trouve, c'est des. Non, ça va. Non, ça va pas l'air. C'est pas des pièges. Oh, regarde, là, le champ de roses. Là, là, il y en a. Oh ouais. Ça en fait, les roses. Allez, on va sur la plage. Oh, oh, les belles roses. Oh, les belles fleurs. Ouah, dis donc, t'as plein d'hybrides. Ouais. Des roses dorées, des roses roses. Vous avez toutes les deux la vie parfaite? Oui. Mmh. Ok. Non, c'est comme ça pour savoir, hein. Prends ton temps. En visite. Shop. Où sont les shops? Shop, shop, shop. Moi, je veux voir la mairie. Ouais, je la trouve sympa, la mairie. C'est Fairy Tale. Avec le drapeau. Il est trop mignon. C'est toi qui as fait ton drapeau? Non, c'est pas moi. D'accord. Bon, je suis au sud. Il est joli quand même. Merci. Je sais pas où je suis. On dirait le sud. Oh non. Fallait pas parler de sud, Camille. Ah, cool, je vais prendre une petite photo. Ah, vas-y, mets-toi. Attention. Cheese. C'est quoi la photo que t'as pris? La photo dans le cadre photo. Ah ouais, là, je l'ai pas vue. Mais... Ah bah voilà. Remets bien tes lunettes, Camille. Ah ouais, je te crois. Ah, il est là. Voilà. Ça y est? T'es où? Vous pouvez revenir où c'est que j'ai passé les défilés. D'accord, alors. Là. Ah, je t'ai. Ah, je l'ai aussi, CV. J'ai envie qu'il parte. Donc voilà. Vous êtes là les deux? Ouais, c'est bon. Une rose d'or chacun et une rose d'or bleu chacun. Ah, bah merci. C'est trop adorable parce que j'en ai pas. Ah, j'ai aucune fleur rose bleue. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Momo. C'est trop gentil. Attends, je te fais le petit truc, il est où? Moi, j'ai pas de... Mais je sais pas. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Merci! Merci beaucoup! Merci. Alors, Momo, on va aller à la gare. Oui. Attends, j'arrive. On va à la gare, on va se dire au revoir et tu auras les notes dans la vidéo. D'accord, ok. Donc, on va rien te dire maintenant parce qu'on est méchante et qu'on a envie de vous faire patienter un petit peu. D'accord. Let's go. Ouais, let's go. Allez hop, on retourne. Bon, t'as bisous alors. Ouais, ouais, on te fait. Je vais raccrocher si je trouve comment faire. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. D'accord, bisous, bisous tout le monde. Bisous. Bisous. Alors. Alors. Elle est où sa gare? Elle est là. Bon, les loulous, on se retrouve chez moi pour la distribution des notes. Nous voici maintenant chez Camille pour la distribution des notes de Momo. Sa ville est Sweetie. Son code onirique sera dans la description, comme celle de Kiara. Alors, les notes. Donc, on va commencer par l'accueil. Eh ben, moi, je trouve que, voilà, comme à Crossing, on a été très gâtés.
On a eu des cadeaux, on a même été payé. Enfin, voilà, l'accueil était bien. Momo est très gentil. Du coup, moi, je lui ai mis la note de 10. Moi aussi. Voilà. Une note globale, du coup, de 10. Parce que voilà, il suffit d'être gentil, tout adorable. Et vous avez 10. Je trouve que c'est super. Pour la chambre. Donc comme chez Kiara, c'était un peu vide, un peu plus vide même. Il n'y avait pas le sol et le mur, il y avait un peu moins de meubles. Du coup, j'ai mis la note de 6. Ouais, j'ai mis quand même un peu plus de la moyenne parce que même si c'était pas dans la collection qui est nordique, ça c'était quand même, il y avait une cohérence en tout dans la chambre. Donc voilà, j'ai mis cette note. Bon, moi j'ai mis 6 aussi, même si j'ai quand même été déçue, parce que tu vois, pour acheter l'extérieur château zen, il faut que toutes les pièces soient grandes au maximum. Et je trouve dommage que ma chambre était vraiment vide, hein. J'avais une télé, un lit, une commode et un autre truc. Mais je trouve que ça faisait vraiment très très vide, quoi. C'est dommage d'avoir de grandes pièces et de ne pas les avoir meublées suffisamment. Mais bon, j'ai mis 6 quand même, parce que bon, c'est pas, c'était bien quand même. Notre but n'est pas d'être méchante. Voilà, c'est ça. Mais De pour la voilà. prochaine fois, si tu invites des gens, tout ça, il faut mettre un peu plus de choses, quoi. Ouais, voilà, on est là pour conseiller, donc notre conseil c'est de remplir un peu plus. La maison c'est un peu pareil, donc voilà, tu nous as dit que c'était pas fini, que c'était en construction et tout. Donc on le comprend très bien, même chez moi c'est encore en construction. Donc j'ai mis la même note que pour la chambre, j'ai mis 6. Bah pour les mêmes raisons du coup, parce que c'était un peu vide et qu'il y a encore du boulot à faire, mais je sais que tu y arriveras. Il faut du temps, il faut de l'argent et il faut que les meubles soient aussi chez Méli-Mélo, donc faut de la patience. Voilà, moi j'ai le même commentaire. J'ai mis la même note, donc ça te fait une moyenne de 6. Mais c'est ça, t'as des grandes pièces, il faut que tu les meubles. Même si c'est pas les mêmes collections au départ, puisque c'est vrai, tu n'as pas toutes les collections chez Méli-Mélo d'un coup là, ah, tout de suite. Mais tu peux essayer de les meubler avec d'autres meubles qui correspondent ou qui soient de la même couleur, quoi. Passons aux extérieurs. Alors, tu t'es fait un petit jardin que j'ai trouvé vraiment super sympa avec une espèce de piscine ou un petit lac. Et voilà, moi j'ai trouvé ça très coloré. Le sol, les briques là, j'ai trouvé ça super aussi. Voilà, t'as vraiment un très bel extérieur. Du coup, je t'ai mis une note de 9. Moi, je t'ai mis 9 aussi parce que l'idée de la piscine, je la trouve vraiment très cool. C'est classe d'avoir une piscine. Et le fait d'avoir délimité aussi avec les buissons, ça fait vraiment comme dans la vie quotidienne, les haies, tout ça. Donc, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé. Donc, je t'ai mis 9 aussi. Donc, ça te fait une moyenne de 9. Donc, bah, c'est pas mal pour l'instant, hein. Il reste l'activité. Alors, moi, j'étais très surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'était une bonne surprise, une agréable surprise, le défilé. Je me suis bien amusée à tester tous les vêtements, à défiler, à faire un peu style mannequin et tout. Du coup, voilà, je t'ai mis un 9 parce que c'était très bien. Moi j'ai bien aimé, il y a juste, j'ai trouvé que t'avais pas mis assez de pantalons. Ça aurait été drôle d'avoir un peu plus de pantalons, mais sinon j'ai bien aimé, donc je t'ai mis un 8. Donc ça te fait une moyenne de 8,5. Voilà. Et donc en tout, je n'ai encore une fois Donc, Camille pas. calcule le total. En attendant, c'est fini pour ce premier épisode de Bienvenue chez nous. Donc, on a vu Kiara de Crossing et Momo de Sweetie. Je rappelle qu'il y a leur code onirique dans la description. Je vais mettre également celui de Camille. Et donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir, sachant que vous pourrez voir les différences entre les vidéos et ce qu'elles auront fait après. Donc voilà, la note c'est finale du coup c'est 7,9. Donc voilà, c'est presque 8, c'est très bien. Donc je te félicite Momo Moi pour aussi. cette bonne note. Camille aussi te félicite si t'as pas entendu. Donc voilà, on vous fait à toutes les deux de gros bisous. Je vous remercie pour votre participation.
Et voilà, dites tout, enfin tout le monde, ça concerne tout le monde. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez qu'on en refasse avec Camille, dites-le en commentaire. Et dans ce cas, on fera une série Bienvenue chez nous qui sortira tous les mois. Voilà, bisous bisous tout le monde. Bisous.